Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, pour ceux qui ne me connaissent pas, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Ce que je fais, c'est que je fais de la recherche généalogique sur un couple d'ancêtres en particulier. Ça peut être mes ancêtres ou c'est un cadeau que j'offre à quelqu'un que j'aime. Je vous présente le résultat de mes recherches, des registres paroissiaux, des recensements, quand je suis chanceux, des photos ou des articles de journaux. À travers tout ça, je vous mets dans le contexte historique de l'époque, question qu'on comprenne un peu mieux la vie que ces gens-là ont vécue. À travers mes recherches, je découvre plein de choses. Puis aujourd'hui, ben, on va parler d'un pan de l'histoire qui m'était quand même très peu connu, soit l'exode des Canadiens français aux États-Unis. On va aborder le sujet là, aujourd'hui dans l'histoire de Ludger Lafontaine et Clérida Vigée. Cette émission que j'offre en cadeau à mon beau-père Serge Chevrier. Question de spécifier, là, mon beau-père étant le beau-père de ma conjointe, le conjoint de sa mère. Bon, ça a l'air un peu compliqué, là, tout ça, là, mais les familles reconstituées, pour ceux qui pensent que c'est un phénomène nouveau, bien détrompez-vous, c'est un autre sujet, là, qu'on va aborder dans l'émission d'aujourd'hui. Pour ceux qui aiment l'émission, n'oubliez pas de partager, de vous abonner à la chaîne, site Facebook, aimer les vidéos. Encore une fois, je tiens à vous remercier. Le nombre de visionnements dépasse largement mes attentes à chaque fois. Et ça, c'est grâce à vous. On se revoit dans quelques instants. Aujourd'hui, raconte-moi mes ancêtres. Je vous raconte l'histoire du couple Ludger Lafontaine et Clérida Vigée. Chapitre 1. La naissance. Alors, notre histoire commence aux États-Unis vers 1880 avec la naissance de Clérida Vigée. Elle est issue de l'union de Nazaire Vigée et de Sophie Morin. Je n'ai pas trouvé son baptistère, mais tout me porte à croire qu'elle serait née aux États-Unis parce que... Mais pour comprendre un peu, on va retourner en arrière. Depuis la proclamation royale en 1763, il va y avoir quelques nouvelles seigneuries, puis ceux existantes vont se développer un peu, mais ça va devenir assez rapidement insuffisant, là, étant donné qu'on fait des grosses familles. Donc, vers 1840, après l'insurrection des Patriotes, il y a beaucoup de Canadiens français qui vont s'exiler aux États-Unis pour se trouver du travail. Entre la période de 1840 puis 1920, on parle d'entre 600 000 puis 1 million de Canadiens français qui vont franchir la frontière. Pour les États-Unis, ça tombe bien parce qu'en même temps, c'est le début de la révolution industrielle, puis quelques décennies plus tard, ils vont connaître la guerre de sécession. Alors, durant l'exode des Canadiens français, on va se promener d'un côté comme de l'autre de la frontière. Il n'y a pas de job à une place, on va aller en trouver ailleurs. Faut dire que les compagnies américaines, ils vont recruter massivement là, dans les villes et les villages là, au Québec. Ils vont donner un incitatif là, comme payer le billet aller, puis évidemment, ils vont tenter de vendre du rêve, là. Alors, on va aller travailler quelques années en Nouvelle-Angleterre ou dans le Michigan. On va revenir, des fois, on va rester là le restant de nos jours. En fait, pour beaucoup de Canadiens français, c'est une époque où est-ce que la frontière est un concept juste sur papier. Pour mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, là, avoir un cousin, cousine de la parenté aux États-Unis, là, ce n'était que monnaie courante. Je suis donc retourné en arrière, plus précisément dans le recensement de 1871, et on retrouve en Beauce Nazaire, le père de Clérida, qui est alors âgé de 21 ans, habitant toujours chez ses parents. Et comme la coutume le voulait à l'époque, c'est le plus vieux de la famille qui va hériter de la terre.
On remarque que Nazaire était le troisième de la famille et son frère plus vieux Richard, déjà âgé de 25 ans, s'occupe déjà en partie de la terre. Il est donc pas le plus vieux de la famille et n'héritera pas de la terre, ce qui par conséquent l'aurait amené à aller chercher du travail aux États-Unis. Puis, 2 ans plus tard, soit le 18 septembre 1882, dans la paroisse Saint-Michel à Sherbrooke, nous allons baptiser Joseph-Maxime Luger Lafontaine, né le 10 du mois courant. Il est issu de l'union de Maxime Lafontaine, qui est cultivateur, et Émilie Nolette. Le parrain fut Joseph Fortin et la marraine Odile Nolette. Chapitre 2. Leur enfance. Alors, comme je disais dans le recensement de 1891, on nous apprend que les parents de Clérida sont de retour au Québec avec leur petite famille, plus précisément à Sherbrooke. Clérida est maintenant âgée de 10 ans. C'est ici qu'on apprend que elle et son frère Joseph sont nés aux États-Unis. Sachant qu'elle a un frère plus vieux qui a 14 ans, on pourrait alors estimer que Nazaire, le père de Clérida, aurait émigré aux États-Unis entre 1871, date du dernier recensement qu'on le retrouve, et 1874-75. C'est probablement là qu'il aurait rencontré Sophie, la mère de Clérida. Clérida, en 1891, est maintenant âgée de 10 ans, de là l'estimation de son année de naissance, là, vers 1880-81. Elle est aussi la deuxième plus vieille d'une famille de 6 enfants. Je n'ai pas trouvé d'informations ni de Luger ou ses parents dans le recensement de 1891, ce qui pourrait me laisser croire qu'ils sont, eux, à leur tour aux États-Unis. Chapitre 3. L'union. On va s'en aller à Lewiston, au nord de Portland, dans le Maine. Lewiston, comme plusieurs autres villes du nord-est des États-Unis, a connu un boom démographique incroyable. Pour vous donner une idée, entre 1840 et 1890, la population a passé de 1 800 à 21 000 habitants. Au début, principalement des immigrants irlandais, qui, eux, ils l'auront pas facile à Lewiston, là. En 1850, on parle d'environ 95% là, des hommes irlandais vont avoir des jobs d'ouvriers. Comme au Canada, on va les engager là, pour faire des canaux, pour faire des chemins de fer. Les femmes irlandaises, eux, ben, ils peuvent pas travailler dans les usines de textile. C'est réservé aux filles de Yankees. Ça va prendre une génération là, avant que les dames irlandaises vont pouvoir intégrer le marché du travail à Lewiston. Vous vous doutez aussi qu'ils n'habitaient pas dans des quartiers les plus aisés de la ville, là. Et pour couronner le tout, en 1855, on va brûler leur église. Accueillant ces Yankees, hein, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, nous, au Québec, comme j'expliquais tantôt, on a un problème de démographie rurale. C'est vers 1860 environ là, que les premiers Canadiens français vont arriver à Lewiston. En 1900, on va être rendu entre 7 et 9 000. Au fil du temps, on va avoir nos propres commerces, on va avoir nos journaux francophones, on va avoir nos propres églises catholiques et nos écoles aussi francophones. On va même avoir la parade de la Saint-Jean-Baptiste. À un point qu'on va nommer le centre-ville de Lewiston le Petit Canada. Vous devez aussi vous douter là, que c'était pas des salaires très élevés. De plus, la ville connaît un problème de logement. Là, on va souvent être 2 familles à se partager le même logement. Des conditions de pauvreté extrêmes. Milieu ouvrier aussi assez violent. Là. On dit même que la police n'osait pas s'approcher du Petit Canada à une certaine époque.
Oh, si on y est nombreux, on n'est cependant pas très impliqué là, au niveau politique et au niveau social. Là. On est des migrants qui cherchent une vie meilleure, mais pour la plupart, on va souvent réaliser assez vite que c'est pas trop à ce quoi ce qu'on s'attendait. Je pourrais vous parler longtemps là, de Lewiston, mais considérant le nombre de Canadiens français qui ont habité à une époque, je suis persuadé que je vais avoir la chance de vous en reparler. Si je vous parle de l'histoire de Lewiston aujourd'hui, c'est pour vous mettre dans le contexte parce que l'histoire d'aujourd'hui se poursuit à l'instant. Vous vous souvenez que je n'avais pas trouvé Luger et sa famille dans le recensement de 1891? Eh bien, on se transporte maintenant le 15 janvier 1900 à Lewiston, dans le Maine, où nous allons assister à l'union de Luger Lafontaine et Cléry de Vigée. Luger était alors âgé de 17 ans et Cléry de 19 ans. Luger était ouvrier alors que Clérida, elle, travaillait dans une usine de textile. Pour ceux qui se demandent à quel endroit se situe Lewiston, alors voici une carte, c'est pas très loin du Québec. Chapitre 4. Le début d'une nouvelle aventure. On s'est marié en 1900 à Lewiston, mais déjà en 1901, on revient au Québec. En Estrie, plus précisément dans la paroisse Saint-Élie d'Harford. Luger est maintenant journalier sur une tour à bois, tout comme son père Maxime, qu'on voit aussi sur le recensement, la maison juste à côté. Et devinez qui habite l'autre maison? Eh bien oui, Sophie Vigée, la mère de Clérida. Nazaire, son père, n'y est pas, mais je peux cependant vous confirmer qu'il est toujours vivant, probablement de retour aux États-Unis pour le travail. Notez aussi que Clérida devait être enceinte au moment du recensement, car... C'est le 14 juin 1901, toujours dans la paroisse Saint-Élie d'Orford, que nous assistons au baptême de leur premier enfant, Eva de La Fontaine. Nous sommes donc à quelques mois du recensement qui avait débuté le 31 mars de la même année. Le parrain fut Maxime de La Fontaine et la marraine, Émilie Nollet. Les grands-parents de l'enfant, telle l'était la coutume à l'époque avec le premier enfant. On se souvient que Luger travaillait sur une tour à bois quelques mois avant, lors du recensement. Eh bien, aujourd'hui, tout comme son père Maxime, il est cultivateur. Puis, c'est le 15 février 1903, toujours dans la paroisse Saint-Élie d'Orford, que nous assistons au baptême de Joseph Rodolpha Alfred de La Fontaine, le grand-père de Serge, notre personne hommagée de l'émission. Alfred est né le 3 février. Je vous ferai constater ici que le curé s'était trompé et voulait inhumer Alfred avant même de le baptiser. Alors, Alfred, enfant légitime de Edger, Luger pour les intimes de La Fontaine, qui est toujours cultivateur, et Larida Vigée, ou Clérida pour les intimes encore une fois. C'était visiblement pas la journée au curé. Le parrain fut Alfred Gauthier et la marraine Sophie Vigée. Chapitre 5. Une fin abrupte. C'est malheureusement le 22 novembre 1904 que nous allons inhumer Clérida Vigée. Clérida est décédée l'avant-veille à l'âge de 24 ans, épouse de Luger de La Fontaine. Les témoins ont été Luger et Maxime de La Fontaine. Eva était alors âgée de 3 ans alors qu'Alfred, lui, n'était âgé qu'à peine d'un an.
Bon, on a parlé un peu de l'exode des Canadiens français aux États-Unis, un peu de l'histoire de l'Ouest. Maintenant, parlons de l'histoire des cantons de l'Est. Les cantons de l'Est ont été une région assez peu développée au temps de la Nouvelle-France, là, pour ne dire pas du tout. La région était surtout occupée par les Abénaquis à l'époque. Si on revient en arrière, en 1773, la guerre de 7 ans se termine. Guerre qui a coûté très cher aux deux belligérants. Pour récupérer leur argent, les Britanniques vont imposer des taxes à leurs colonies, ce qui ne fera pas l'affaire là, des habitants des 13 colonies en Amérique du Nord. Les Américains vont alors déclarer leur indépendance en 1776 pour finalement gagner la guerre en 1783. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de cette guerre, eh bien, ce n'est pas tous les Américains qui prennent du côté des Américains. Il y a un groupe de gens qu'on appelle les loyalistes qui vont collaborer avec les Britanniques. Vous comprendrez qu'une fois que les Américains ont obtenu leur indépendance, eh bien, ils ne voyaient pas d'un bon œil la présence de collaborateurs de l'ancien régime. En contrepartie, ces collaborateurs de l'ancien régime, qu'on appelle les loyalistes, se sentaient pas trop les bienvenus non plus, là. Donc, ils vont commencer à s'exiler, là, tranquillement, pas vite, là, surtout dans la région de Toronto, qui, à cette époque-là, était très peu peuplée, là, Toutefois, en 1793, il y a un Gilbert Hyatt et neuf associés qui vont venir s'installer dans les cantons de l'Est. Eux, ils se disaient, on est des sujets de la couronne britannique, la province de Québec appartient à la couronne britannique, alors on s'y installe et c'est comme ça. C'est 8 ans plus tard que le gouvernement de la province de Québec va les autoriser à s'y installer. Suite à cette autorisation, ça va être long à se développer, là. Il y a d'autres loyalistes qui vont venir s'y installer tranquillement, pas vite, mais la région est enclavée. Il n'y a pas de route carrossable qui se rend dans les centres urbains comme Montréal ou Québec. La densité est très basse, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement à l'hiver, même des périodes de famine. Mais vous vous souvenez que dans l'émission Joly-Saint-Onge, je vous parlais de l'importance de la force hydraulique à l'époque. Eh bien, on va commencer tranquillement, pas vite, à pouvoir à exploiter le pouvoir hydraulique de la rivière Magog. Des moulins vont commencer à s'installer, puis ça va attirer l'attention des marchands britanniques de Montréal. On va commencer à construire des routes et surtout un chemin de fer qui va relier Montréal et Sherbrooke. Eh bien, pour construire tout ça, ça va prendre du monde, hein? Du monde travaillant, puis du monde surtout qui coûte pas cher. Puis ça tombe bien parce qu'on a deux catégories de gens comme ça au Québec à l'époque, hein? Les Irlandais fraîchement débarqués au pays, hein, qui avaient eu une famine, eux autres, en 1820, qu'on a vu d'ailleurs plutôt à Lewiston, et les Canadiens français. Des Canadiens français venaient principalement de Beauce, comme Nazaire, le père de Clérida. En plus, vers 1850, ben, le train va être relié Sherbrooke à Portland, là, qui est à quelques kilomètres là, de Lewiston. Ça va faire en sorte que beaucoup de Canadiens français vont faire la navette entre le Québec et le Maine dans la période de l'exode des Canadiens français aux États-Unis, comme ce fut le cas de nos deux principaux sujets de l'émission. Chapitre 6. Un nouveau départ pour Ludger. Malgré le fait que c'est la fin de notre coupe vedette, la vie de Ludger va prendre une nouvelle avenue alors que le 11 juin 1906, encore une fois dans la paroisse Saint-Élie d'Orford, nous assistons à l'union de Ludger de La Fontaine, fils légitime de Maxime de La Fontaine, qui est maintenant journalier, et Émilie Nollet, et Adéliane Gendron, qui, elle, est fille légitime d'Hector Gendron et Marie Trépanier. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, alors que généralement monsieur travaille 60 heures par semaine et que madame s'occupe de la PME familiale, eh bien, quand l'un ou l'autre décède, eh bien, il faut trouver une solution et rapidement. Je vous rappelle que les CPE n'existaient pas à l'époque. Si le conjoint survivant ne pouvait se trouver un conjoint assez rapidement, souvent les enfants étaient envoyés à l'orphelinat. Considérant le fait que l'espérance de vie était beaucoup plus basse à l'époque, eh bien, ce genre de situation était beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui. Alors, les familles reconstituées au Québec, malgré que pour des raisons différentes d'aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas un phénomène nouveau.
Alors, comme c'était la coutume, le nouveau couple ne perdra pas beaucoup de temps. On connaissait déjà Eva et Alfred du premier mariage de Ludger, mais la famille de notre nouveau couple va s'agrandir assez rapidement. C'est le 11 mars 1907 qu'Evelyne voit le jour. Je vous rappelle que Ludger et Adrienne se sont mariés le 11 juin de l'année précédente. Je vous laisse faire le calcul. L'année d'après, ce sera au tour d'Armand de voir le jour. Puis Gertrude va naître en 1909, mais malheureusement, elle décédera l'année suivante. Puis, en 1911, ce sera au tour de Rosamond de voir le jour. Toujours dans Saint-Élie-d'Orford, le recensement nous apprend que Ludger était journalier. En 1911, Ludger a travaillé 36 semaines, des semaines de 60 heures pour un salaire de 324 $. Ludger sait lire et écrire. On constate aussi que leur ménage est maintenant composé de 9 membres, car en plus des 5 enfants, les parents de Ludger, Maxime et Émilie, habitent maintenant chez Ludger et Adrienne. Et comme le voulait la coutume à l'époque, la famille va continuer de s'agrandir en 1913 avec Juliette. On peut supposer que notre couple vedette a fait une escale à Montréal puisque Juliette y est née. Malheureusement, elle décède 2 ans plus tard, notre couple vedette habitant toujours à Montréal. Puis, 4 ans plus tard, soit en 1917, et de retour à Saint-Élie-d'Orford, eh bien, Victor Irénée voit le jour, probablement appelé René. Bon, là, s'il y en a qui pensent qu'ils ont pris un break de 4 ans et que c'est les débuts de la Première Guerre mondiale, ou bien parce qu'ils ont déménagé 2 fois, eh bien, pas nécessairement. J'ai pas de preuves concrètes, mais sûrement que Ludger et Adrienne étaient des très bons catholiques et essayaient bien fort de faire grandir la famille. Mais bon, parce que ça marchait pas, ou bien faut pas écarter non plus la possibilité de fausse couche. En tout cas, si c'était pas une fausse couche, soyez sans crainte, leur bon curé devait sûrement leur rendre visite à l'occasion. William Henry, lui, verra le jour en 1919. Il y a aussi Evelyne, la première fille avec Adrienne, qui malheureusement décède en 1919. On s'est marié à Saint-Élie-d'Orford, quelques naissances dans la région, puis de 1913 à 1915, on est à Montréal. Et de retour à Saint-Élie-d'Orford en 1917. Finalement, dans le recensement de 1921, on nous apprend que notre petite famille est de retour à Montréal. Dans Papineau, plus précisément sur la rue Malo. Pour ceux qui savent pas c'est où, c'est à quelques pas de ce qui est l'entrée du pont Jacques-Cartier aujourd'hui, qui lui n'était pas construit à l'époque. La construction du pont a commencé en 1926 pour être en fonction en 1930. Ludger est maintenant âgé de 38 ans, il est toujours journalier, gagne maintenant 1 040 $ par année. Il sait lire, écrire, mais ne parle pas anglais, alors que je vous rappelle que Ludger s'est marié en premières noces aux États-Unis. Comme quoi l'anglais en 1900 dans la Nouvelle-Angleterre n'était pas une nécessité. Ludger n'était maintenant plus seul à amener des revenus à la famille, puisque Eva, sa plus vieille, maintenant âgée de 19 ans, est servante. Alfred, lui, le grand-père de Serge, alors âgé de 18 ans, est charretier. Et Maxime aussi, le père de Ludger, qui travaille toujours comme bûcheron à l'âge de 64 ans. On me raconte que la raison du déménagement à Montréal est qu'il manquait de travail à Sherbrooke. Ils ont alors décidé de déménager à Montréal. Ludger a alors travaillé à couper de la glace sur le fleuve, puis dans la voirie quand on a commencé à construire des autoroutes, et finalement il a travaillé dans la construction. Au début des années folles, la famille va continuer de s'agrandir avec Roger en 1922. Puis Cécile va voir le jour en 1924 et finalement le petit dernier de la famille, Marcel, en 1925. En 1925, Ludger aura eu un total de 11 enfants dont 2 sont décédés. La maisonnée est maintenant composée de 6 garçons et 3 filles, en plus de Maxime et Émilie, les parents de Ludger. Un total de 13 personnes habitant sous le même toit. Thank you.
Chapitre 7. D'autres événements tragiques. OK, là, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas une période facile pour l'UJ, à commencer par 1927. C'est le 1er juillet 1927, alors qu'il est âgé de 44 ans, que l'UJ va assister à l'enterrement de sa mère, Émilie Nollet. La cérémonie a eu lieu à la basilique Notre-Dame. Puis, deux ans plus tard, le 15 juillet, soit quelques mois avant le krach de 1929, nous avons inhumé à la basilique Notre-Dame Adrienne Gendron, sa deuxième épouse, décédée le 11 du même mois. À travers ces tristes événements, il y a un petit rayon de soleil qui va apparaître. C'est le 12 janvier qu'on va baptiser Pauline de La Fontaine, fille légitime d'Alfred de La Fontaine et Albina Payeur, et aussi mère de Serge, notre personnage âgé de cette émission. En 1934, Cécile, leur fille qui était née en 1924, décède. De plus, le 6 juillet, nous allons assister à l'enterrement de Maxime de La Fontaine, fils de Bruno de La Fontaine, époux d'Émilie Nollet, décédé le 4 juillet. Les témoins étaient Alfred et Ludger de La Fontaine. Donc, en voyant ce document, on apprend que le grand-père de Ludger s'appelait Bruno. S'il y en a qui se demandent d'où ça vient les de La Fontaine, eh bien, si on remonte l'arbre jusqu'en Nouvelle-France, on retrouve un Jacques La Fontaine, sieur de Bellecour, qui lui était secrétaire du gouverneur, là, vers la fin là, de la Nouvelle-France. Alors, ceux qui se demandaient d'où venait le de comme préfixe à La Fontaine, eh bien, voilà. Un de est souvent un signe d'une descendance de petite noblesse. Eh bien, en 1955, Ludger, maintenant âgé de 73 ans, va trouver l'amour pour une troisième fois. C'est le 31 décembre 1955 à l'église Notre-Dame des Victoires que nous allons assister à ce mariage. En 1961, Ludger et Joséphine Leclerc vont assister au 35e anniversaire de mariage d'Alfred de La Fontaine et Albina Payeur, grands-parents de Serge. On voit sur la photo, dans la rangée du haut de gauche à droite, Joséphine Leclerc, Ludger La Fontaine, Alfred de La Fontaine, Albina Payeur et Armand de La Fontaine. Ludger aura assisté au décès de trois de ses enfants, mais pour la première fois en 1963, il assiste au décès d'un premier de ses enfants d'âge adulte. Alfred était alors âgé de 60 ans. Chapitre 8. La fin. Et comme toute bonne chose a une fin, c'est le 25 mars 1966 que décède Ludger La Fontaine. Il sera enterré au cimetière Notre-Dame des Victoires. Ceci conclut notre histoire du couple Ludger La Fontaine et Clérida Vigée. Mais comme une fin annonce souvent un renouveau, Ludger La Fontaine et Clérida Vigée auraient laissé une descendance qui va très certainement perdurer dans le temps. On se quitte avec quelques-uns de leurs enfants et unions, alors si vous voyez vos parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents dans cette liste, c'est que vous avez probablement Ludger et Clérida ou Adrienne comme ancêtre. En musique, on a eu La Bastringue de La Bolduc et Ovila Légaré. Tout au long de l'émission, Louis Boudreau dit « Pitou le violonneux nous a accompagnés au violon ». Et on se laisse avec la chanson qui devait tourner sur toutes les radios au moment où notre histoire se termine, « L'amour unit le monde » de Donald Lautrec.
Signorita, dia, si, si, signor. Verso, verso, un baiser, je t'adore. L'amour est le monde. Deux regards, amour et kimono. Elle chante sous un sombrero. Elle sourit près du vieux château. L'amour unit le monde. Partout sur terre, à bien y penser. Les solitaires sont bien assurés. Car pour des loisirs mieux appropriés, ils n'ont seulement qu'à bien voyager. Twisting l'amour, c'est toujours l'amour. La signorina nous fait crier l'amour. Sous un igloo, elle nous fait la cour. L'amour unit le monde. Paris, Madrid, Brésil. L'amour unit le monde. Japon, Mexico, Québec. L'amour unit le monde. Partout sur terre, à bien y penser. Les solitaires sont bien assurés. Car pour des loisirs mieux appropriés, ils n'ont seulement qu'à bien voyager. Twisting l'amour, c'est toujours l'amour. La signorina nous fait crier l'amour. Sous les igloos, elle nous fait la cour. L'amour unit le monde. Alors, j'espère que vous avez aimé la deuxième partie. Une famille reconstituée en 1906, ben oui, ça se pouvait quand même assez fréquemment. C'est les premiers qu'on voit à Raconte-moi mes ancêtres, mais c'est certainement pas la dernière fois là, qu'on va en parler. Comme ce sera pas non plus la dernière fois que je vais vous parler de la Nouvelle-Angleterre, car dans la prochaine émission, on va parler de Narcisse Dion et Anaïs Lavoie. Narcisse étant née à New Bedford, près de Boston. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, je vous invite à vous abonner à la page, à aimer les vidéos, à commenter, à visiter la page Facebook. On se revoit dans quelques semaines.